Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mote Balandinion sur l'émission Moseka Malheur Moderne. Voilà, aujourd'hui je voulais vous proposer la recette la plus répandue de Mwengi qu'on appelle en français haricot œil noir ou encore haricot cornille. Voilà, donc je vous propose donc la recette qui est la plus consommée chez nous, mais cela n'exclut pas qu'il existe d'autres recettes à travers le monde, également d'autres recettes à travers la République démocratique du Congo. Voilà, donc avant de vous présenter la recette, je voulais juste un peu parler du produit. Donc ce type d'haricot œil noir, donc cornille, est très bon pour la santé. Notamment, c'est une très bonne source d'acide folique, de magnésium, de potassium. Et ces haricots contiennent de la vitamine B6 et du phosphore. Son indice glycémique est très bas, donc si vous faites une recette light avec ces haricots, ce sera vraiment bien parce que vous serez à la fois rassasié sans apporter quelque chose de néfaste à votre régime alimentaire. Et ces haricots ont aussi une très bonne teneur en fibres, tant solubles que insolubles. Voilà. Nous cuisinons souvent ce type de haricots dans le cadre de notre restaurant social que nous avons implanté à Kinshasa, dans la commune de Lancélé, précisément à Bibois. Et donc, comme nous voulons proposer des repas qui seront offerts gratuitement à une certaine catégorie, à savoir les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes âgées, les personnes qui sont malades, ceux qui sont dans un centre hospitalier ou encore des personnes vivant avec handicap et qui ont des difficultés à se nourrir. D'autre part, nous proposons ces repas à un prix démocratique, la moitié du prix de ce qui se fait sur le marché, afin de permettre au restaurant de récupérer au moins l'argent qui permettra de cuisiner la recette suivante. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour recadrer la vidéo, dans quel cadre ça a été cuisiné. Donc vous voyez que c'est fait avec les moyens du bord au restaurant social. Et tout de suite, nous passons à la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de cette recette. Purée de tomates de na otia wile na ngeza wana matungulu yango na sina kati ndembi yanga yangoyo pilipili ezanga te na otia mwambi e uzala yango moko te mwambi kozala na kati wana awa na Mungu ananga feuille de laurier muscade yangoyo nini ona sina na sina kata ki deja ayi na sina kata ki deja nini seleri nanga yangoyo biloko nyoso oyo uzala na kati ya mbwenge nde elubunanga ekolia malelo mukolo ya lelo tokolia. Merci todanda. Voilà, donc pour réaliser ces haricots mbwenge cornille œil noir, vous aurez besoin en fait des haricots, plus ou moins 1 kg, ça dépend de la quantité. Si vous faites une très très grande casserole comme ici, on va dire 1,5 kg, 2 kg. Voilà, donc vous aurez besoin de haricots, donc c'est la base de la recette. Vous aurez besoin de poisson fumé, mais je préfère vous dire que si vous êtes végétarien, vous faites textuellement la même recette en ne mettant pas le poisson. Et c'est une très bonne recette végétarienne. Ici, nous avons utilisé une brique de purée de tomates. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec du concentré de tomates, avec un petit peu de tomates fraîches. Vous faites un mélange ou carrément de la tomate fraîche que vous aurez mixée ou pilée. Voilà, vous aurez besoin d'un oignon, d'un gros oignon coupé, d'une botte d'oignon nouveau. Il vous faudra de l'huile, un peu de pili-pili pour le goût, de la pâte d'arachide qu'on appelle aussi beurre de cacahuète, crème d'arachide, mwambanguba qu'on appelle ça chez nous. Vous aurez besoin de sel, de feuilles de laurier, un peu de noix de muscade moulue, de l'ail frais ou en poudre et quelques branches de feuilles de céleri. Voilà, ça c'est pour notre recette. Et aujourd'hui, cette recette a été préparée avec comme accompagnement du foufou. Donc là, il vous faudra du foufou de manioc et du foufou de maïs, donc de la farine de maïs. Voilà, mais moi, je mange souvent cette recette avec du riz parce que je suis une fan du riz. Voilà, ça c'était donc pour les ingrédients. Nous allons maintenant passer à la préparation.
Et je voulais vous dire que la recette a été réalisée en Lingala par une maman qui se trouve au Congo. Et je prête ma voix afin que les personnes qui ne comprennent pas le Lingala puissent profiter de la recette. Nalobaki ebunanga mbwenge yango na tena moto. Na banzina na mbwenge biloko mosusu wana yokota après. C'est parti pour la recette. Donc, la première étape consiste à faire bouillir les mwengi. Et donc, pour cela, nous aurons besoin, évidemment, comme je le conseille toujours, de les faire tremper. Ici, comme les mwengi sont plus petits, vous pouvez faire tremper pendant 4 heures. Ce sera déjà suffisant. Vous pouvez vous référer à ma vidéo dans laquelle j'explique pourquoi faut-il tremper les haricots secs. Voilà, donc nous démarrons la cuisson. On va faire bouillir les haricots. On va y ajouter un peu de sel. Voilà, on ajoutera également la feuille de laurier. Les haricots vont bouillir et à un moment donné, on va venir mettre notre poisson. On peut le mettre au démarrage aussi, hein, le poisson avec un petit peu d'ail. Et là, ce sera juste bon. Quand on a toujours le bon endroit en le bon endroit est tout moins mouillé, c'est qu'on a oublié sambis. On a oublié sambis, il en a un à quatre déjà. Pour élever, la bouse a aïté. La chair est sous aïe. Nous sommes étoffés ensemble. Pour lui, c'est élever bien. Et tout quand on se trouve ensemble, na aïe, na mungwa, na mbwenge, na mbisi ya uka, et tout ensemble. Avant notre coutume. Voilà, donc ici nous allons juste diluer notre pâte d'arachide dans un petit peu d'eau afin d'éviter les grumeaux. Donc je vous conseille pour les recettes à base de pâte d'arachide, si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous faites ce petit mélange comme vous voyez dans la présente vidéo. Voilà, à présent, nous nous préparons à réaliser notre sauce. Nous mettons de l'huile à chauffer. Bon, malheureusement, sur l'image, vous n'allez pas voir à chaque moment comment elle a rajouté, mais voilà, je vais vous le dire. Donc, dès que l'huile est chaude, on ajoute les oignons nouveaux, la purée de tomates, l'ail et on touille pour réaliser notre sauce. Donc ici, nous faisons la sauce à part qu'on viendra ensuite incorporer au reste de la recette. Voilà, maintenant, à présent, nous sommes au stade où nous allons réunir ensemble les haricots qui ont été précédemment bouillis avec le poisson, l'ail, la feuille de laurier, le sel. Nous allons venir y ajouter notre sauce. Et une fois que cela est ajouté, nous allons bien mélanger les éléments ensemble et nous allons continuer à cuire tout ceci ensemble. De temps en temps, nous allons ouvrir notre casserole
enlever le couvercle pour pouvoir touiller afin que ça ne colle pas dans le fond, parce que vous savez qu'une sauce à base de pâte d'arachide risque de coller. Donc régulièrement vous allez touiller, même si vous ne le voyez pas à l'image, voilà, je vous le dis comme ça, vous le savez. Et voilà donc notre cuisson arrive à sa fin. Voilà, nos boings qui sont prêts. Entre-temps, on a préparé du foufou comme accompagnement, mais vous pouvez le manger avec le féculent de votre choix. Voici notre très belle assiette que nous présente notre maman Mélanie. Voilà, tout de suite, nous allons passer donc à la distribution de ce plat aux bénéficiaires du restaurant social chez Mama Moseka. Kandenga na ibisa kibino balanji na biso ya yebubu ya lilo ya mbwenge bachambisi ya ukawuka. Ya mgoi ana sani esi ebeli. Esi ebeli na loba kibia nkeza ya kulia na fufu lo sote. Fufu inge na mgoi ya mgoi na sani na loba ki elubu na angayi kumina suka. Awa eza deja na sani na sena chena sani. Pona na servir na bana balia. Voilà donc à présent les usagers viennent un par un prendre leur plat. Donc ceux qui ont la gratuité reçoivent leur plat gratuitement. Et ceux qui participent aux frais, donc qui payent la moitié de la valeur du plat, viennent également. C'est comme ça que nous avançons dans notre restaurant social. Voilà, nous allons vous mettre ici notre PayPal. Si vous souhaitez offrir un repas à une personne dans le besoin, notre PayPal est bomokonayoutube@yahoo.com. Donc vous pouvez via ce moyen envoyer la contribution pour un repas ou deux repas, parce que les repas qui sont offerts donc aux gens qui ont la gratuité sont parfois sponsorisés par des abonnés de YouTube ou de Facebook. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin, qui contribuent de façon concrète, qui contribuent de façon anonyme. Je vous remercie de tout cœur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin de ne pas manquer nos prochaines publications. Pour aujourd'hui, c'est terminé et l'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit au revoir.
présente-moi. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Moseka de Malewa Moderne. The shadow starts to fade.